Hello! Aujourd'hui, nous allons parler de manipulation et pas bienveillante cette fois. Il y a une petite chose qui m'a sauté aux yeux hier et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous parce que l'analogie est assez énorme. Et là, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Regardez par vous-même. Moi, j'adore le couscous, mais ma maman, elle en fait jamais. Et vous savez pas ce qu'elle dit? Pas le temps, compliqué. Y a couscous facile de Lustucru. Un sachet, une minute, un ratable. Trop fort. Couscous facile Lustucru, ça rate jamais. Alors, belle leçon de marketing. Au passage, on a tout d'abord ce que veut le client. Moi, j'adore le couscous. On a ensuite la douleur, la problématique. Mais ma maman, elle en fait jamais. Et vous savez pas ce qu'elle dit? Pas le temps, compliqué. Pas le temps, trop compliqué. Et puis ensuite, eh bien, on a la solution. Y a couscous facile de Lustucru. La promesse. Un sachet, une minute, un ratable. Trop fort. Couscous facile Lustucru, ça rate jamais. Et en plus, ça peut pas rater. Alors que fait Lustucru? Déjà, il nous dit que grâce à son produit, on va pouvoir faire un couscous facile. Ce qui est complètement faux, parce qu'on regarde bien sur le paquet, c'est marqué graines de couscous, ce qui est la réalité. Et la graine de couscous, c'est clairement ce qui se fait le plus rapidement dans le couscous. Alors, je ne parle pas du vrai couscous marocain, où c'est cuit, machin, roulé, grainé, fait avec amour. Je parle du couscous basique, mais simplement le truc le plus rapide, ça reste quand même la cuisson de la semoule. Et la semoule, ça cuit en 5 minutes, quels que soient les paquets. Alors, couscous Ferrero, cuisson 5 minutes, le moyen, ah bah 5 minutes. Minutes. Donc là, grâce à couscous facile, eh bien, on va pouvoir le cuire en une minute. Et génial, on en a gagné 4. Sauf que dans le couscous, ce qui est le plus long, c'est pas la cuisson de la graine, hein, forcément. Ce qui est le plus long, c'est la cuisson des viandes, des légumes, enfin toute la préparation qui va autour. Et c'est ça qui prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc en réalité, ça résout absolument rien, mais ça vous le fait croire. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe quand on vous vend des formations, des programmes ou des outils sur Internet en vous faisant croire qu'avec ce petit truc-là, eh bien, vous allez pouvoir résoudre tous vos problèmes alors que le gros du temps et du problème ou de l'argent se situe carrément ailleurs. Des exemples, il y en a plein, j'en donnerai pas ici parce que le but n'est pas de lancer des polémiques, mais quand vous avez des choses qui passent, regardez clairement à quoi ça vous sert, parce que c'est très très bien de se dire je vais gagner sur ce truc-là, parce qu'on va vraiment jouer sur votre douleur, le truc, on va mettre le doigt sur précisément ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus, en vous faisant croire que ça, ça va résoudre votre problème, mais ça fait passer à la trappe ce qu'il y a derrière et qui est certainement bien plus chronophage ou bien plus problématique, que ce soit financièrement, en termes de compétences, etc., etc., de durée, bref, la totale. Donc voilà, une très belle pub qui nous fait voir exactement la même chose que ce qui se passe quand on vend du rêve. Pour ma part, je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!